Quatre chapitres de Rêve. Donc, on aurait dit aussi le concert du carré. Donc, il y a les entériques supérieures. Donc, plus les entériques inférieures, les entériques inférieures. J'aime le territoire. Donc, pour le rectangle, il est sous-territorial. Donc, on ne va pas parler de concert. Vers le foie, absolument, le foie, le concert du colon, vous verrez comme métastasé. Donc, c'est les concluants des entériques inférieures. Quelle activité thérapeutique est proposée chez les membres de l'État qui présente un cancer des rectums à 3 cm de la rectum avec une astase hépatique et une superficielle de 7,4 de 3 cm. Alors en fait, une colostomie est une chimie en fait. Et l'attention à la radiothérapie chimique, la biocontact et chimie, amputation et l'astase hépatique, amputation et chimie thérapeutique. Et bien sûr, c'est normal que je fais des indications en raison de temps, les réductions, la traitement en ligne, je vais en faire des chiffres, et je vais en faire des points, et si on va le faire, je fais un peu. Lors de 25 ans, c'est suivi d'une résection périodique. Le rectum aurait une tumeur à 8 cm. Examen à la date entre stade T1 et 0 et 0. On va exprimer la souris. Quelle attitude faut-il envisager? Chimio radio, immuno, la double bien, surveillance clinique endoscopique, aucune surveillance médicale. Donc c'est un stade T1. C'est un stade 1, maintenant ça T1 et 0,0, stade 1. Stade 1, normalement, c'est un malade qui n'a pas besoin de traitement de biomédiement en médiument. C'est un traitement chirurgical exclusif avec une surveillance endoscopique et clinique. Donc c'est le D, le CRA. Voilà. Le diagnostic du cancer de rectum repose sur le écho, TR, alors, on y a une question des chevilles passives. Les chevilles rectales, alors, dès que c'est tout ce qu'il y a de rectum, c'est tout chevilles rectales. On pose, le chapeau, le chevilles rectales, on sert, c'est le chevilles rectales. Et c'est un grand discours, c'est un grand discours, c'est un grand discours, la rectoscopie, c'est un grand discours. Pourquoi, par exemple, les éléments du diagnostic car le cancer de rectum touché pas tous les rectum. Parce qu'il repose sur le gauche et l'endoscopie qui est le verbe de l'endoscopie. C'est un jeu. Alors, devant une petite oreille, la danse qui ressort, et l'endoscopie bien la vie. Et les coups, on peut mettre. Ici, l'infiltration par état. Alors, placer la lumière selon le STL. Oui, elle peut placer. Lider la stratégie thérapeutique. Ah, il y a des choses pour parler. Est-ce que les coups, on peut mettre là? La stratégie marque le traitement et au adjuvant et la chirurgie. Le dépend de ce qu'on dépend de toucher rectal, la distance par rapport à l'appareil sphincterien, par rapport au général, l'expansion à distance. Si tu as mal, tu tumeur du rectum avec mal de métastase, tu fais une chimio palliative, tu l'opères. C'est une grande partie sur l'acte. Il y a une idée, la stratégie est unique. Les cordoscopies, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies la main. L'infiltration paritale m'a introduit dans cette couche de la paroi rectale et sans attaque. Les cordoscopies où il y a peu d'entre nous. Envahissement des couches de la paroi. Le cœur, c'est la place théorique. Sachant que le rectum sous-périphérique n'a pas de théorie. Quelle partie tient supérieure à tout? Donc il faudra le 10 à 15. Il y a de l'autoradouche. Il n'y a pas de séance. Directement, vous avez la distribution de la au rectum qui est de la pièce. Vous voyez, je suis. Ok, donc le terme de la sélection, oui, dément, après c'est l'envahissement des organes voisins. Alors, moi je passais le premier cours en endoscopie, le soin autorectal. L'envahissement des organes de voisinage, je suis mal à l'aise là, mais je ne vois pas très loin. Tu as les os rectum et les organes de voisinage, c'est la prostate, les séminaires, le vagin, le virus, donc, la liège bien placée. Dans ce cas, c'est l'IRM, voilà, donc maintenant c'est un autorectal. L'IRM, c'est l'examen qui permet de voir l'extension aux organes voisins. Donc ça, je vois. Par contre, et l'article T, donc l'article sur le métastase, c'est pas une autre. C'est tout à fait ça. Mais je vais traiter chez STM, à l'IRM, ça dure à peu près. L'IRM ne peut pas voir le métastase.
juste localisé au recteur. L'envahissement de l'environnement, oui, peut-être, oui, peut-être, mais bon, on va voir, elle a apprécié, oui. Donc, elle a apprécié l'affectation, si elle fait une place pérenne à la roche, après qu'elle peut vous dire, c'est effectivement qui touche toutes les couches matérielles sérieuses, par exemple, la roche. Donc, on va même mettre la stratégie de place. Et donc, il est beau, tu fais une couche dans la tumeur. Monsieur, 300 mètres. À la même chose. La semi-dose, les vertus-dose, les sarènes. Donc, ça veut dire qu'il a besoin de détroit. D'accord. Pour cette couche-là, on fait détroit. N, tu ne peux pas. Donc, là, je trouve une longueur de sauvage. Et il est installé. Comme un truc, je suis en train de voir. N, on ne peut pas le faire. Et à cette année, c'est une classification où tout est N. Métastase, c'est pour les autres secteurs. On peut la considérer. Présence d'une tumeur du barrette à 300 mètres de la marge anale, fixe au TR, qui infiltre la graisse périhéritale. TDR pour bien, qu'est-ce que vous proposez? Attention, elle est fixe au toucher des glaces. C'est une tumeur du T4. Alors, tumeur T4 du barrette. Ce qui est moi, vous n'y pas.
avant tout, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas autre chose. Si tu as une lésion du côlon, polype dégénéré. Alors si tu as un polype, le colon, une tumeur, tu la laisses pendant minimum ces 2 mois et demi, après de la radiochimie, ça dure 1 mois et demi, 5 semaines, 6 semaines, ça risque de lésion qui te reporte 2 mois, 1 mois et demi, donc ça fait 3 mois. Alors tu laisses une lésion tumorale du colon qui évolue spontanément pendant 3 mois. On vient de la chimie et la radiochimie. On a eu des patients comme ça qui avaient la même chose. Il y avait une tumeur de rectum et une lésion du colon. Alors, au lieu de faire un traitement complet, on a une radiothérapie avec une chimio pour arriver à zéro. Après 3 mois, elle est venue. Elle avait une petite métastase. Ça y est, donc ça, elle est venue avec des métastases. Tout le soir, elle fait des métastases. Les métastases ne sont pas là, elle est plus résistante. Donc avant, c'était possible de résister. Elle est là, je trouve. Quand tu as une tumeur directe, pas de traitement, de traitement, c'est une lésion d'extension. Si tu as une lésion du colon, tu ne dois pas attendre, tu dois opérer. Traitement non adjuvant marche, tu vois, il va. D'accord. Mais tu vois, il y a un rajouté. Il a arrêté les lésions une fois. Les petites métastases médicales. Pour lesquelles je vais faire une radiothérapie rectale, locale. Une radiothérapie chimique. C'est une irradiation localisée du pelvis au contact de la lésion de l'extérieur avec des vaisseaux antéro-postérieurs et latéraux pour réduire la taille de la tumeur, pour que la résection soit plus facile et pour qu'il n'y ait pas de récidive. On lui associe une chimio orale, c'est le 5F orale. La hormone, c'est pour sensibiliser, c'est pour accentuer l'effet de la radiothérapie. Mais si tu as des métastases au foie, Xéloda interne ne va pas agir, elle n'est pas suffisante. La radiothérapie non plus. Dans ce cas, 3 mois, c'est beaucoup de les laisser évoluer sans chimio. Voir que moi, je propose faire ce traitement, mais associé à une chimio hémato-fosse, par exemple, systémique. Tu peux agir sur les métastases pour qu'elles ne montrent pas de taille, pas plus les autres. Donc c'est une polypose adénomateuse. Pourquoi ne pas faire un traitement adjuvant pour le rectum? Parce qu'il y a autre chose sur le colon. Donc il vaut mieux qu'on opère ou pas. Selon l'impact définitif, on va voir si on peut faire un traitement adjuvant. Alors le patient a été opéré, l'examen à la part de la PS, de résection à l'entrée, l'adénomateur, c'est un bien, peut différencier qu'il atteint le réseau rectum. Avec présence de cascades de 3 adénomes parmi 13, et multiples adénomes sur le reste du colon sensible et disposé. Comment s'appelle l'affection chez votre patient? Alors, c'est une polypose adénomateuse familiale. Quel traitement adjuvant proposé chez ce patient? Donc là, vous avez une malade qui a quel stade? Cette tumeur de l'air. C'est un T. T, alors, les 4 tumeurs performantes du territoire, ça va être les 3 tumeurs en moyenne, ça va associer à votre processus sur le périphérique, c'est pas le T4, c'est le T3. Et dans la dernière étape, en même temps, tumeur, donc on va y associer le tissu périphérique, le périphérique, donc périphérique. Toujours à l'intérieur de tissu rouge, c'est le réseau rectum. Le tissu périrectal, non périrectal, rouge. Il y a 4 séries. Le réseau rectum. Le réseau rectum. Il y a 4 séries. Le 2 tiers inférieur du rectum, la 2 séries. Il y a le mésorectum, c'est de la graisse qui contient des ganglions autour. La sclérose est au tiers supérieur du rectum, de 10 à 14. Le séro, le 10, c'est le mésorectum. Donc, là, je pense que c'est un T3. De toute façon, un T3, c'est la dégression du tissu. Donc, c'est un T3, les ganglions en face de 3. Donc, c'est un T3.
out of the jar. Yes. Donc c'est un T3 et un V. On a une installation de l'entreprise. Donc c'est un T3 et un V. Donc on a une chimiothérapie. On y a une radiothérapie. Là c'est du sud. Un gros chapeau. Un chapeau bas. Donc la radiothérapie doit être faite. Il vaut mieux que la tumeur mette en place. Une fois que vous avez resté, vous allez faire de la radiothérapie. Elle n'est pas efficace. Beaucoup moins efficace que c'est vraiment une toxine. Qu'est-ce qui va descendre à la place du recteur qui est le même? Il va essayer de descendre en puissance. Il va l'évacuer. Il va l'évacuer directement. Le père va se brûler. Il risque d'avoir une épidémie. Il a une atteinte de la maladie de l'intestin. Donc, quand il a la même maladie qui est en rouge, ça veut dire qu'elle est dangereuse et elle n'est pas efficace. Donc, on ne fait pas. On fait la chimie. Ok. Alors, ce patient nous demande. S'il est nécessaire de faire une coloscopie de tâche de ses enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, c'est une maladie héréditaire, la transmission en deux hommes dominants avec une pénétrance de 80%. Ses enfants, 8 sur 10 ont de la chance, le risque de voir la maladie. La malchance, c'est bien. Oui, dans la population, on a fait au risque de cancer de l'hôpital. Alors, cas clinique numéro 2, cette patiente moyenne a depuis 28 ans. Il présente depuis 6 mois le cours. Si j'avais trois situations, les étudiants avaient fait la chute. Elle avait touché avec la ligne de masse, qui se retrouve aujourd'hui, puisqu'il y a 300 personnes avec le masque là, et c'est bien en 34. Interrogatoire à la mission de cancer pour la vie. Sans faire, il y a la vie qu'on utilise cette chose. Et la sans faire qu'elle ait été prévue à la vie 16 ans, pour un cancer de demande. Comme Charles Saint-Louis, son frère aussi, cancer de colonoscopie, et sa sœur, un cancer gynécologique. Donc la coloscopie a rencontré une tumeur rectale et d'environ 3 et 10 cm de la main rénale et non franchie par la coloscopie. On a fait des biopsies, comment elle a définitivement deux différences. Quels sont les examens du plan d'extension de cette dimension? On doit opérer comme on a fait la chirurgie.
Celui-là a montré que la tumeur est classée D4, sans métastase viscérale de distance, absence de bolide sur le côlon. Quel protocole thérapeutique proposez-vous chez cette patiente? Donc, c'est une tumeur barrettant située de 3 à 7 cm. Il est de 4 ans. Protocole thérapeutique pour votre stratégie. On fait traitement de l'adjuvant, radio-chimio. Donc, la radio, c'est 45 degrés sur 5 semaines. 2 degrés et demi par séance, puis on se repose pendant entre 4 et 8 semaines et on fait une amputation abdominale périnéale. Et donc, déjà, amputation, déconservation, tonus pas. Alors, les tumeurs qui sont situés de 0 à 4 cm sont toujours une amputation, comme la résection de l'extrême périnéale, de 0 à 4 amputations. De 4 à 15, une résection complète. Je trouve que la tumeur est chez on ne peut pas faire une sodomie maintenant. Ça veut dire que le stéthoscope couche mal en cuisine. Oui, la tumeur est pour le soir par la gage et le malade n'est pas en cuisine. Tu as raison, la question est très pertinente, mais quand tu te dis qu'il est en occlusion, tu dois opérer dans des régimes. Mais si jamais il dit que la tumeur n'est pas symptomatique, on peut faire la radio. D'ailleurs, il y a des thérapeutes qui demandent souvent de faire une colostomie pour quand même, pour les graves au cours de la radiothérapie. Je risque d'avoir une occlusion. Moi, je ne sais pas, c'est pas la radiothérapie, je ne sais pas la taille de la tumeur. On a un certain irradiation, tu vois que c'est pas tant que moins de risque d'occlusion. Il y a des chances. Alors, on fait une radiothérapie préopératoire, on commence à l'esprit chez cette semaine. Chimio d'induction, il faut qu'il réduise 8 ou 9 secondes. Voilà. Alors, on va un petit tableau juste pour on va le déclarer. Alors, pour les tumeurs T1 et T0, on fait d'emblée les cheveux. D'emblée les cheveux. Pour les traitements d'hiver, tumeur T2 et T0. Alors, la chirurgie première, on va dire à la chirurgie, on peut T2 et T0, on peut faire une chimiothérapie. Et demain, selon bien sûr hier, alors je vous parle, demain, je vous dis pour vous. C'est-à-dire, dépend de ma séquence. T2 et plus, obligatoirement, la chimie, vous pouvez la faire. T3, T4, quel que soit N, T3, T4, quel que soit N, M0 ou N plus, la chimie, je vais pouvoir faire. Ok, c'est clair, les indications de traitement de l'étudiant, on va le déterminer. Cette patiente a été opérée, l'examen n'a pas de la pièce, on rentre les mêmes occasions en raison de l'étudier, 14 ans vivant, donc en état statique, d'un environnement périnéral. Selon le PNF, cette tumeur appartient à cet stade, plaçant les éléments du monde pour le stade. Alors, vous savez, les mêmes occasions, toutes les études, donc c'est T4A, B, ça peut comparer aux organes. Donc, c'est un des 4 A et 14 secondes, non? Donc, c'est M3, M2B. Donc, voilà, c'est des 4 A, M2B, M0. Les éléments de premier pronostic, c'est l'envahissement par l'état, c'est l'envahissement par l'état, l'envahissement par l'état. Comment vous pouvez le grand distorque pronostic? Voilà la pièce que vous avez vue. Alors, vous, cette patiente, vous avez vu son frère, etc., il a eu le cancer, donc c'est un lynch. Okay. Alors, le lynch, c'est la tumeur siège au niveau du cycloïde, au niveau du réacteur de traitement. Est-ce qu'il faut qu'il ne m'appelle pas tout le colon dans la lèvre? Alors, vous avez des habitudes sur le niveau. Alors, j'ai opéré cette malade, j'ai fait une collecte de potasse. Vous voyez, ça c'est le lion, ça c'est le séquent, vous avez le colon en col, ça c'est le réacteur, la tumeur, vous allez voir, elle est là, elle est vue, vous comprenez. Est-ce que c'est justifié de faire une collecte de potasse? Si tu peux, normalement, il y a deux études. Quand je prends les couilles, je prends tout le colon, entre vous, c'est le support. L'âge, c'est un cancer génétique. Tu enlèves le rectum, tu laisses le colon, tu peux surveiller. Tu peux surveiller. Et si le malade ne se prête pas de surveillance, tout ce que tu dis bien, tu ne peux pas avoir. Donc je me suis dit, bon, peut-être. L'attitude n'est pas forcée. Top partie, on peut faire une collecte de potasse. Même si la tumeur s'est justifiée en rectum, tu enlèves le colon. Ça peut être justifié, si jamais j'ai un problème.
d'abord, j'ai trouvé un petit colis avec des pièces chauffeurs. On n'a pas vu sur le scanner. Ah, alors, tu sais, ça, c'est un grandi, hein, c'est 2 mm, 2-3 mm. Donc, on l'a pas vu. Bon, c'est pas une part, c'est pas une polypose. C'est un linge. Alors, la malade me demande pourquoi plusieurs membres ont mis en place. Comment vous expliquez ? C'est un linge, donc c'est un cancer familial, le linge. Il y a une mutation génétique de gène et de l'âge. Malheureusement, j'ai plutôt demandé à l'histologiste de faire l'étude génétique sur la pièce. Donc après, bon, je peux le faire si la transcendue. Là, j'ai complètement oublié. Alors, cette patiente était régulièrement suivie. En fait, elle est aujourd'hui 2 ans après l'intervention, donc elle présente une masse tissulaire de 4 cm de la droite. ACE à 10 fois la normale. À quoi correspond cette lésion? Donc, puisque les ACE sont élevés, ce n'est pas le CA125. Le nerf vénérien avec le CA125 est élevé à 1500. Non, on a le droit de cancer de cancer. Primitif en face de le cancer du cancer de l'Ange. On a le droit de développer le cancer de l'endomètre ou de la repère. Donc, le cancer apparenté. Et puis, il y a bon, ça fait une métastase entre les ACE et la vie. Donc, c'est une métastase de l'organe, le cancer de l'endomètre. Le traitement proposé, je sais que vous savez, c'est une annexectomie chimiothérapie pour top. Je pense qu'il m'a fait un terre d'estomac, c'est la même chose. L'examen pathologique de l'ovaire mandrin des experts, c'est un peu différencié. Comment vous appelez cette lésion? Et quelles sont les autres qui sont c'est une passage familiale. Première connaissance. Alors, patient de 67 ans, conçu de l'ovaire et par la digestion basse, sous forme de rectorragie en plus. Le patient est connu pour deux de la RCH. Alors, on a
de la faculté là, donc T2, donc je change T2, N0, 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 comme je regarde la chose du nord, comme je regarde la du Chine, donc ça c'est l'IRM, je dois aller plus bas, je sais pas comment c'est. Oui, donc IRM, la du Chine. L'IRM, la dernière chose, on peut en faire, on va aller jusqu'à la car la tumeur est tâche localisée à la muscleuse, et en plus, il y a une tumeur chronique, on ne peut pas laisser le dépôt de la réalité à la vie. Donc, bien évidemment, la raison principale. Si j'avais dit 4 marques, vous avez décidé d'opérer le malade. Pourquoi le traitement adjuvant, néo-adjuvant, n'est pas justifié? Vous dites, la justification, ce n'est pas le fait qu'il y ait des deux et zéro. C'est parce que vous avez eu les autres. Il va rester en place, il va évoluer pendant 2 mois et demi ou 3 mois, spontanément, sans augmenter. Risque d'augmenter. Risque d'entraîner des métastases, il faut que vous donnez un message à l'écran sur le coup. Donc, chirurgie d'anglais, vous allez faire une collecte de contrats, une proctectomie et un asymptome. Voilà pourquoi on vous rappelle ça, vous êtes dans cette situation, et bien c'est bon, on va être en chirurgie première, mais là même si vous décidez la chirurgie vous allez avoir une lésion quand vous faites ici. Une intervention, bien sûr, pour le proctectomie. Il y a des enfants qui vont aller sur le réservoir. Donc vous allez réserver le réservoir, vous allez laisser la partie TAC qui sort, vous allez faire un réservoir. Mais, la patiente est opérée, elle est polo-proctectomie et un symptôme qui doit être protégé de la lipostomie. L'examen, je l'appelais sur l'opératoire. Donc il y a un adénocarcinome, il manque de commencer. Je l'ai pris de 5 cm. On va essayer de couper de la barre portale sans atteindre les rectum. Et sans envahissement de le volant droit, qui est le siège de la démocratie, le différencier, le 209, celui qui a la muscule, sans envahissement de l'eau. Bon, alors comment vous passez ça? Et les droits. Ah, voilà, j'ai vu. Alors 5 cm, tout au prix, sans isoler quoi. Donc c'est comme T2, c'est pas un T3. D'accord. On ne sait pas que je suis pas un T3. Thank you.